Pacifique. Pas si pacifique que ça. Hein. En fait, comme vous le voyez là sur les images, c'est un très grand désert. Pas beaucoup d'oiseaux, quasiment plus depuis que on est parti de Hobart, alors qu'il y en avait des milliers. Il n'y a pas beaucoup d'îles. C'est pour ça qu'on a le point Nemo, le point le plus éloigné de toute Terre. En fait, c'est un grand désert de dunes de vagues. De vagues dunes, ou de... comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Moi, je l'ai surnommé souvent l'océan papier de verre. C'est un océan qui use. Un océan qui lamine. Et qui, sur la durée, finit par vous avoir. Et là, on arrive à l'échéance tant espérée ou redoutée. Dans un peu moins de 2 jours, on sera au Cap Horn, avec derrière nous une énorme dépression. Et on n'a pas le droit de se faire attraper. Et devant nous, quelque chose qui n'était pas très joli non plus. Et on est entre les deux, et dans ce train de houle-là, on essaye de faire son chemin. C'est pas facile. Pas facile. Les conditions, les prévisions sont jamais exactement ce qui était prévu. Toujours un petit peu plus fort, un petit peu plus dur. On a eu des routes quasiment parallèles avec Armel, qui était un petit peu plus devant, décalé, avec un peu moins de mer, je pense. Mais encore que ça ne devait pas être si facile que ça, pour lui non plus. Et je me suis fait 2 grosses chutes, j'avoue. Je tombe jamais dans un bateau. Et là, j'ai été surpris une fois à la table à cartes. De 2 mètres devant avec l'épaule vraiment très endolorie, et une autre où finalement c'était plus spectaculaire, mais je me suis fait moins mal. Je savais que ce Pacifique serait pas Pacifique, pas gentil en tous les cas. Ça va être une belle ligne droite. Alors, les routeurs sont très contents de cette ligne droite, c'est leur signature, et je leur dédicace cette jolie trajectoire. J'avoue que j'aurais eu assez peu de glisse et assez peu de moments volants dans cet océan. Après l'Indien qui n'avait pas été terrible, en contrat à la fin, mais... Allez, à ciao, bonsoir, bonne journée, comme d'habitude, vous choisissez.